Retrouvons à présent des personnages hors du commun qui ont des dons bien particuliers car ils parviennent à effacer les brûlures ou même les luxations ou autres entorses. Ces guérisseurs ne sont pas reconnus par la loi, mais ils interviennent souvent aux côtés des médecins. Les médecins font d'ailleurs appel à eux. Regardez par exemple ce que ces barreurs de feu parviennent à faire aux urgences de l'hôpital de Thonon où se sont rendus Jacques-Ric Boivin, Laurence Claude-Pierre et Denis Colle. Hôpital Georges Piantat de Thonon-les-Bains. Son service d'urgence, récemment rénové, traite 30 000 patients chaque année. Un hôpital presque comme les autres. Pourtant, ici, pour les brûlures jusqu'au deuxième degré, ce sont les médecins eux-mêmes qui proposent de faire appel aux coupeurs, aux barreurs de feu. Ainsi, lorsqu'un brûlé arrive aux urgences, le questionnaire du médecin a une conclusion pour le moins surprenante. Je suis resté plus d'une demi-heure dans l'eau froide. Après, avec du solvant, j'ai enlevé la colle toute la main. D'accord. Vous savez quelle sorte de colle c'est, non? Non, je ne sais pas. Si ça ne vous fait rien, je vais appeler un barreur de feu pour diminuer la douleur. Et puis, on fera les soins ensuite. D'accord? La liste officielle tapée à la machine comporte plusieurs noms. Il y en a toujours un disponible. Oui, bonjour, docteur Tavernier aux urgences à l'hôpital de Thonon-les-Bains. Oui. Je vous appelle parce que je suis en présence d'un monsieur qui vient de se brûler au niveau de la main droite avec de la colle à 180 degrés. Oui. Et qui présente des brûlures du deuxième degré au niveau des doigts. Oui. Ça vient de se passer il y a à peu près une heure et il s'appelle Serge. Donc c'est la main droite. Tout à fait. Bon, je vais lui couper le feu. Merci beaucoup. Au revoir. La dame, on a pu contacter la personne et donc elle est en train de réciter ses formules pour que vous ayez moins mal. D'ici, je viendrai vous voir d'ici un quart d'heure, voir si vous êtes complètement soulagé ou pas. Vous avez toujours mal là ou ça passe un peu? Ça se calme bien. Ça pique. Toujours un petit peu, mais c'est en train de se calmer. Évidemment, la médecine va soigner ce brûlé comme dans tous les hôpitaux. Mais pour le personnel infirmier, l'efficacité des barreurs de feu ne fait aucun doute. Quant aux médecins, ils ne peuvent apporter aucune explication logique. Oui, justement, le niveau du contact, la sensibilité, elle est bonne. Là. D'accord. Ah, non. Ah, je ne peux pas l'expliquer du tout. Je ne peux pas dire. En plus, comme ils ne veulent pas dire ce qu'ils disent, on ne peut rien prouver. On ne peut que constater effectivement des lésions qui évoluent très très bien. Est-ce que c'est vraiment le barreur de feu? Est-ce que c'est la personne qui était constituée de telle façon? Est-ce que c'est le gramme de paracétamol qu'ils ont pris et qui a fait effet juste au moment du coup de téléphone? Après, on peut se poser plein de questions, mais... Normalement, ça doit couper la douleur. Il n'y a pas que la douleur qui est en cause, il y a aussi la cicatrisation. Il y a la cicatrisation, moi je trouve que ça joue sur la cicatrisation. Et que dit le Conseil de l'Ordre? Je n'ai pas demandé son avis. Bah écoutez, il y a toujours des choses surprenantes dans tout ce qu'on appelle les thérapeutiques non éprouvées. On est actuellement dans une phase où on fait de la médecine fondée sur les preuves, et parallèlement à ça, il y a toute une série de thérapeutiques non éprouvées qui semblent marcher dans certains cas. Mais je crois qu'il faut se méfier un petit peu parce qu'il y a un biais de sélection important puisque pour les thérapeutiques non éprouvées, n'en parleront que les gens qui ont une réussite dans leur démarche. Et pour la médecine dite officielle, n'en parlent en général que les gens qui ont à se plaindre des traitements ou des médicaments qui n'ont pas été efficaces justement.